Le marchand, bordel. J'ai vu qu'il y avait un mec qui s'appelait marchand, mais c'est pas lui. Ah, c'est lui? Non. Non plus. Ah, Vesna, salut! Qu'est-ce que ce sera? Bonjour, une bière. Une telle compagnie. Merveilleux, Vesna. Attends de voir qu'elle va bien, mais... Je veux savoir où est mon mec. Oh, mon mec, on se comprend. Bordel. Le Varden. Le Varden. Il était peut-être à l'extérieur. Je suis peut-être allé vite en besogne en me disant c'est forcément ici. Je crois que mon objectif me pointait vers la taverne. Hein. Oui. En fait, peut-être que mon objectif me ment. Hein. Le Varden, herboriste. Ah merde! Il est où? Ouais, parce que là, je suis au bon endroit. Vesna Hood, Shani. Je sais plus si son nom était en vert. Ou en bleu. Violiniste ivrogne. Bordel, merde. Et dire que je suis obligé de travailler ici. Moi non plus, je ne peux pas entrer. Quelque chose vous intéresse? Détroussez-moi en plein jour, vous gênez pas. De quoi faites-vous commerce? Ma vie, mon sang. Ok. Ah mais ils vendent la race de trucs, lui. Histoire du monde, les bar guests. Invitation à la magie, introduction à la chimie. La chimie de Zerikania. Il contient la formule de l'explosif roi et reine. Celle de l'huile de Krynfried, mais l'huile j'ai déjà. Bon. C'est sympa, mais ça va pas me dire où est mon voyageur. Bah merde, alors j'ai fait tout ce chemin. Écoutez. Pour qu'on sache pas me dire où est mon gars là. Tu l'as vu toi? Quelque chose ne va pas. Parle-moi des écureuils. Jouons au dé. Non mais je m'en bats les steaks. Y'a un choix qui est caché en bas là? Non, je dois partir, c'est ça. On se revoit plus tard. Ah, je suis deg. Bon bah... Sinon, ah oui, sinon, je suis débile. Mais c'est qui là-bas? Serveuse, ok. Sinon, je vais au feu de camp, c'est peut-être juste qu'il est pas là à cet horaire-là. J'aurais bien aimé connaître l'horaire, du coup. S'il est pas là tout le temps. Bon, moi je veux bien craquer, parce que c'est pas lui, hein. Lui c'est juste un herboriste. Oui. Oui. Bonjour. Moi je veux bien craquer un silex de temps en temps, quoi, mais... Faut pas me prendre pour un nœud non plus, quoi. On va jusqu'où? Midi? Crépuscule? Alors, jusqu'à midi? De toute façon, le feu va rester allumé, donc... Allons-y. Quel bâtard. C'est l'herboriste, on est d'accord qu'il est pas là. Hein. D'accord que l'objectif me dit aussi d'aller dans cette fichue taverne. Ah, il est là. Déclane le Varden. Des nouvelles? Ton pote est mort. Voici la dépouille de votre ami. De quoi est-il mort? Attaque d'Equinope. Je compte sur vous pour achever votre mission et enterrer son corps. Mais... Nous étions d'accord. Bah oui. Une sépulture décente. Où je ne paie pas. Je sais pas pourquoi ils m'ont obligé à revenir voir ce mec, quoi. À défaut de mieux, c'est bête, Geralt. Je vais entrer de la crypte près de l'église du révérend. Allez, c'est reparti. Ah, faut que je demande la permission au révérend en plus. Bordel, faut que je revienne à l'autre point. Quelle vie! Faut que je revienne ici. Je peux pas me téléporter vers les... Suite de la quête annulée. Ah merde. En tout cas, c'est... Avec ça, je peux me mettre un petit point d'objectif. C'est rigolo, ça. Du fun en barre. Journal.
suivre la quête à nouveau. Bon bah on y retourne hein. C'est dur la vie de soldat. Toujours un peu compliqué quand un jeu a une forte denrée narrative mais que c'est plus compliqué qu'autre chose de faire la quête narrativement. Parce qu'il faut faire plein d'allers-retours hein, sur des points donnés. Mais bon, personne m'oblige à faire la quête comme ça, c'est mon choix, on va dire ça comme ça. Mais bonjour! Par contre, si on a 3 quêtes d'affilée qui demandent de faire des allers-retours à répétition comme ça, je vais craquer, hein, je vous le dis tout de suite. Et je vais finir par faire les quêtes par rapport géographique au lieu de suivre l'histoire correctement. Mais bon, c'est la vie qui voudra ça. Alors, il est là ? Monsieur le révérend ? Où êtes-vous ? J'ai cru que ça me montrait la porte, mais j'avais peut-être tort. J'aurais dû arrêter de suivre la minimap. Il est où le révérend ? Il est là. C'est juste à côté. Vous enlevez des enfants pour en faire des sorceleurs ? Comme là. Parlez ! Bonjour ! Je voudrais enterrer un homme. Je voudrais enterrer un homme dans la crypte près de l'église. Je vous suis reconnaissant d'avoir allumé le feu éternel. Alors c'est un plaisir, mec. Dans la crypte gîte un sarcophage usé par le temps. Usé par le temps ? Vous préférez creuser un trou ? Le sarcophage fera l'affaire. Alors, je dois enterrer le marchand dans le caveau de la chapelle. Ici ? Dans la chapelle ? Il y a un caveau ici ? Un petit vin blanc. Ouais, je crois que je suis pas entré dans la chapelle. Des petits orins. T'as l'isorin, vaste Normandie. Sarcophage. Ben voilà. Tiens. Prends donc un corps. Oh, bonjour. Vous vous souvenez de moi ? Pas vraiment, vous non. Vous pourchassez, vous ah bon et votre meute fantôme. Ah bon ? Je vous chasse encore. On se connaît. Bien que le mot soit peu approprié. Pourquoi ? Je veille à l'accomplissement du destin. Voyez-moi d'accord. Destin. Le destin est un glaive à double tranchant. Vous êtes l'un de ces tranchants. Et l'autre est... La mort, il n'y a pas de destin, seulement des coïncidences. Dites ce que vous avez à dire, vous disparaissez. La mort. La mort. Je vous suivrai partout, à l'affût de vos erreurs. Il y a la mort, mais aussi le libre arbitre. Je trouverai la salamandre et accomplirai le destin de mon choix. Je vous attendrai. Endrian va, saovle au tavle. Vous vous moquez du destin. C'est un glaive à double tranchant. Vous êtes l'un des tranchants et l'autre est... La mort ? Non. C'est nous qui mourrons à cause de vous. La mort vous suit. Elle marche dans vos pas. Mais les autres meurent à cause de vous. Mario ! Oh ! Oh ! Du matin ! Quel sagouin !
T'avais qu'à esquiver ton petit carreau là. Voilà. Mais oh, le mec réussit un entraînement et puis d'un coup. Prend fou furieux. Météorite rouge, amélioration d'armes, dégâts plus 15%. Un forgeron peut forger un glaive avec ce fragment de météorite rouge. Il vous faut 3 fragments de météorite pour forger un glaive. Utilisez plus d'une pièce de cette couleur pour obtenir des bonus spéciaux. Ça va encore rester dans mon sac pendant 10 ans, je le sens. Bon, je l'ai enterré en tout cas. Le roi de la chasse, ah c'est lui! Le roi de la chasse. Ah non, c'est pas pareil que la chasse sauvage, du coup. Il est apparu à nouveau. Il m'a posé d'étranges questions, puis a disparu. Je suis sûr qu'il reviendra. Léo. J'ai revu le visage de Léo, mais cette fois, c'était sur un spectre. Il m'a rappelé que j'avais échoué dans les catacombes de Kaer Morhen. Salaud. Il est temps de retourner voir le Varden. C'est reparti. Qui est bien sûr toujours dans la taverne, hein, j'imagine. Pas de raison qu'il se soit bougé le fion. C'est globalement assez rapide de revenir dans la taverne, hein, ça reste quand même une petite perte de temps. Oh, des rustres, ça va. Parce que je viens d'abattre un fantôme, que forcément. Feu tu pourras peut-être te rendre utile. Ils sont déjà allumés. J'ai besoin de repos. Le Burgrave, Vélérad. Le révérend pourrait envoyer une lettre à Vélérad. On profite des petits paysages pendant notre traversée. Parce qu'après on sait très bien comment ça va se passer, on va se retrouver perdu au milieu d'une grande ville. Je veux pas jouer à ça. Soyez sur vos gardes. Allez oui. On pousse. Ah bah c'est dur la vie d'ouvrir des portes aussi apparemment. Hein. Ouh. Allure. Je vais entrer dans cette taverne, merci. Bon, il s'est pas cassé, il est encore là. On peut s'entendre. Il est où? Il est parti. Je le déteste. Non, il est là. J'ai eu tellement peur. Des nouvelles? J'ai enterré votre ami et vous brillez. J'ai enterré votre ami. Quelle triste fin. Au beau milieu de nulle part. Il a une sépulture décente. Alors je peux partir pour Vizima, la conscience en paix. Vous n'oubliez pas quelque chose? Ah! Vos 200 orins. J'ai reçu 200 orins. J'enterrais le compagnon de Levarden et ça m'a rapporté une coquette somme. Une coquette somme. Je suis à 500 balles. Allez, boum. Une quête de fête sur la piste de la salamandre. On va convaincre Odo, Aren et Mikul. Après on a aussi des monstres et des bêtes. Avec la question de la bête justement. Mais voyons voir Odo, Aren et Mikul. Parce que la bête ce sera de nouveau pour le révérend pour qui on a déjà fait quelque chose. Donc allons voir les autres. Sur ça. Alors là, il nous montre Aren, mais il y a Odo aussi. Hein, donc... On va aller plutôt voir Odo pour le moment, c'est plus proche. J'imagine qu'ils peuvent nous montrer que un seul point d'objectif à la fois. C'est pour ça qu'il y a un petit souci. Plus au dos, on a pas encore eu l'occasion de visiter sa petite demeure. Par ici, hop, on va prendre ça.
Rappelle que j'oublie de mettre la chevalière du révérend. Chevalière du feu éternel. Voilà. Autant que je fasse cette petite Kate. Parce qu'ils vont me demander, est-ce que vous venez de la part du révérend? Pour leur dire oui, baiser mon doigt. Et si la petite maison? Aïe aïe, il y a le feu de camp. C'est cool parce que quand on regarde sur la carte, on se dit oh là là, ça a des milliers de kilomètres. En fait, ça passe quoi. Le chien dodo. Coucou. Sorti F5. D'aller les bords, du myrte blanc. La petite niche. Ok, rien de particulier. Bonjour. Alors. D'abord, je te pousse. Le sang et les entrailles, c'était l'armure d'un guerrier. Mais ce gros lard était plus porté sur la gnôle que sur le glaive. Alors, on sait pas, c'est peut-être la retraite, hein. On va un peu vite en jugement, je trouve. Silex, on peut encore en stocker un. Anneau d'argent et d'ambre. Un objet de valeur qu'on peut vendre ou donner à quelqu'un. J'aimerais bien vendre des choses. Qui va là? Un sorceleur. Et que faites-vous chez moi avec une arme au poing? Y'a rien à voler ici. Du calme. Ah bah. Je veux juste vous poser. Il y avait quand même 2-3 trucs, mais c'est déjà pris. Je parle pas aux étrangers. Je suis Gérald. À présent, vous connaissez mon nom. Oui, astuce. Oh non, Aver, Maître Gervant. On sait que les espions boivent pas. Alors, trinquons. Ah bon? Voilà, très bien. Bon, on est devenus potes, très vite. J'oubliais le plus important. Vous avez vu le révérend? Bien sûr. Bien sûr. Ah, il nous a dit d'interroger les étrangers. Je porte sa chevalière. Là, voyons voir ça. L'anneau du feu éternel? Ça doit être celui de Révérend. Révérend m'a envoyé des soldats, il y a des monstres agressifs, vous jouez au dé. Déjà, est-ce que tu joues au dé? C'est une vulgaire tradition païenne. Vous savez ce que c'est? Allez plutôt voir les nains. J'en dirai pas plus. D'accord. Il y avait beaucoup de lignes de dialogue qui ont disparu, là. Odo, visiblement, vous comptiez tromper Maître Gervant. Quoi? Quand? Zoltan m'a dit que vous aimiez jouer au dé. Que voulez-vous? Oui, on peut jouer comme ça. Il y a des monstres par ici. Les hurlements dans le village font tourner mon lait. Rien d'autre d'étrange? Une fois, le brouillard était si épais que je me suis perdu près de chez la sorcière. J'ai vu une grande bête regarder par sa fenêtre. Et après? Mm-hmm. J'ai pris mes jambes à mon cou. Elle était aussi grande qu'un cheval. Elle crachait de la fumée et des étincelles. À plus tard. Mais non, mais... Arrêtez de couper le dialogue quand on peut encore faire des trucs. Feu. Vous êtes soldat? Pourquoi cette question? J'ai remarqué cette armure. C'était celle de mon frère. Il a combattu à Brenna. Et ailleurs, j'aime pas les soldats. Sauf mon frère, bien sûr. Du calme, je ne suis pas soldat. Que voulez-vous? Ok, bon, j'imagine que le révérend m'envoie vous aider, ça va nous permettre d'enquiller sur sa quête à lui. Mais jouons d'abord au poker. Alors, est-ce qu'il est fort? Je n'en sais rien. On va miser sur 5 d'abord. Petite mise, lançons les dés. Les dés sont jetés. J'ai une paire. Deux paires. J'ai deux paires. Et lui, il a une suite. Ah, une suite, c'est plus fort que deux paires, hein.
Comment je fais pour battre une suite? Si ça fait un 3 ou un 5, j'ai gagné. Je sais pas, je connais pas le poker. Moi, hein. Alors, ça fait ni l'un ni l'autre.